بس هذا إرهاب الاحتلال، هذا جيش إرهابي يمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني. رحم الله زياد أبو عين قائد مناضل ارتقى في خندق المواجهة، واليوم الرسالة الأكبر لأبناء شعبنا الفلسطيني. Ziad was guilty of nothing more than ensuring that we remain on the land where Israel was trying to expel people, that we save the land where Israel was attempting to steal the land. Jeudi 11 décembre 2014, bonjour à tous et bienvenue à vous dans votre morning. Nous sommes ensemble pour deux heures d'actualité extrêmement chargée ce matin. Voici tout de suite le sommaire de cette émission. Israël renforce ses mesures sécuritaires. Les autorités craignent de nouvelles émeutes après la mort du ministre palestinien Ziad Abu Aïn au cours d'affrontements hier avec l'armée israélienne en Cisjordanie. L'autorité palestinienne menace d'interrompre la coopération sécuritaire avec Israël. Une enquête sur les circonstances de l'événement est en cours. Et puis l'alliance Livni-Herzog, enfin scellée. En cas de victoire, les chefs des partis travaillistes et Atnoua promettent de se partager le pouvoir en remplissant la fonction de Premier ministre à tour de rôle. Une nouvelle formation de centre-gauche qui prend le nom de camp sioniste voit donc le jour, espère faire tomber le gouvernement actuel. Et puis en fin d'émission, on s'intéressera au discours des politiciens détournés en clips musicaux. Au programme Les phrases chocs des ministres, vous verrez, ça vaut le détour. Alors bonjour à vous, il est 8h à Tel Aviv, j'accueille ce matin Yoshua Amishav, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate israélien et Maurice Ifergan, bonjour, rédacteur en chef i24 News. On va tout de suite se rendre au point de passage, au barrage de Kalandia en Cisjordanie, à proximité de Ramallah, où se trouve notre correspondant Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Alors les funérailles, on l'a appris hier, du ministre palestinien qui a été tué hier, auront lieu à 10h aujourd'hui, en présence de Mahmoud Abbas. Alors tout d'abord, est-ce que les mesures de sécurité ici à Kalandia ont-elles été renforcées comme les autorités israéliennes l'avaient annoncé hier ? Écoutez, bonjour Éléonore. Les mesures de sécurité ont été renforcées comme tous les jours d'ailleurs à ce point de passage de Kalandia, qui est véritablement le point de passage entre qui permet aux habitants de Ramallah et du nord-est de Kalandia de rentrer, de pénétrer en territoire israélien et donc du côté de choisir soit d'aller à Tel Aviv, soit d'aller à Jérusalem. Nous sommes véritablement au confluent des deux grandes villes israéliennes. Les mesures ont été renforcées, je le disais, ici, mais également dans toute la Cisjordanie. Le chef d'état-major Benny Gantz a décidé de ramener ici dans la région deux bataillons de l'armée israélienne et deux unités en plus de gardes frontières. Tout cela pour éviter que des clashs aient lieu au moment de l'enterrement de Ziad Abu Aïn. Ce haut responsable palestinien, certes les Palestiniens disent de lui qu'il était ministre, ce n'est pas un ministre en tant que tel puisqu'il n'a pas le titre de ministre, il était en charge selon l'autorité palestinienne de la lutte contre la poursuite des implantations et contre la barrière de sécurité. Il est mort hier au cours d'une manifestation contre cette barrière justement de sécurité à ce village de Tourmous Yaya, 30 km au nord de Ramallah. Les circonstances de sa mort ne sont toujours pas élucidées puisque vous le savez, il va y avoir une autopsie. Il y a déjà eu une première autopsie conjointe entre des médecins légistes jordaniens et un médecin légiste israélien pour déterminer effectivement les circonstances de sa mort. Alors hier, Mathias, après cet événement, des légères émeutes ont éclaté là où vous vous trouvez et un petit peu plus bas dans le village où s'est passé donc cet événement. Est-ce que de nouvelles émeutes sont à craindre et est-ce que ce matin l'atmosphère est plus calme à Kalandia ?
Écoutez, on ressent énormément de tension. Je peux vous dire que les regards se font tendus en notre direction. Les journalistes, les gens nous posent la question de savoir de quel endroit nous venons, si nous sommes israéliens, si nous sommes occidentaux. Et vous le savez, ici à Calandia, c'est symptomatique de la situation sur le terrain, parce que c'est là, un kilomètre derrière moi, eh bien, que la police palestinienne a ordre d'arrêter tout mouvement de Palestiniens lorsque ces derniers veulent se diriger en direction de Calandia. Et on l'a vu dans le passé, notamment lorsque les policiers palestiniens, les fonctionnaires palestiniens n'avaient pas reçu leur salaire, eh bien, il y avait presque une politique de la porte ouverte, c'est-à-dire qu'ils laissaient passer les émeutiers en direction de Calandia. Lorsque ordre est donné de la part de Mahmoud Abbas et de sa moukata d'arrêter tout simplement les émeutiers, d'arrêter tout mouvement populaire de la part du Hamas, du djihad islamique, eh bien, immédiatement, cette artère, cette grande artère qui mène vers Calandia est hermétique. Donc vous le voyez, ici pour l'instant, c'est calme, mais sans doute derrière, vous voyez ce mur noirci de fumée, c'est, eh bien, ce sont les stigmates qui restent des anciennes oppositions, des anciens affrontements entre les gardes frontières israéliens et les émeutiers. Il y a quelques jours de cela, une jeune fille de 16 ans à peine avait été arrêtée ici parce qu'elle était en possession d'un couteau, elle voulait s'en prendre aux policiers. Pour l'instant, eh bien, toutes les options sont sur la table. Mm-hmm. C'est du moins la version avancée par Mahmoud Abbas. Il n'a pas définitivement décidé, après la réunion du Conseil de sécurité de la part de l'autorité palestinienne, de couper toute coopération sécuritaire avec Israël. Et si jamais, effectivement, pour répondre totalement à votre question, il y avait une rupture totale de la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne, cela aurait immédiatement une influence néfaste sur le terrain, sur la condition sécuritaire, mais cela donnerait aussi un aveu de faiblesse de la part de l'autorité palestinienne, qui certes maîtrise des villes comme Ramallah, Naplouse, mais est très faible à Hébron, où le Hamas eh bien, tend et a toujours été une place forte du mouvement islamiste sur place. Merci beaucoup Mathias Inbar. Je rappelle que vous êtes en direct du barrage de Calandia. Alors on l'a vu, Yoshua Micha, avant cette menace d'interrompre la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne. Est-ce qu'elle est à prendre au sérieux d'abord ? Mais d'abord, Eleonore, moi je dirais que c'est un salutaire rappel. Il y a une coopération sécuritaire quotidienne, jour après jour, nuit après nuit, parce qu'on entend beaucoup de monde en Israël qui vous disent dans certains milieux, et même très officiels, je dirais qu'Abou Mazen c'est rien du tout, il ne pèse qu'un poids plume, il n'a aucun contrôle, on peut s'en débarrasser. Vous entendez ça tout le temps en venant de certains milieux. Or, on se rappelle quand même maintenant qu'il y a cette coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne d'Abou Mazen et Tsahal, qui est extrêmement importante pour Qu'est-ce l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une coopération sécuritaire ? Mais une coopération sécuritaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, il continue à y avoir des arrestations régulières d'activistes ou de terroristes du Hamas dans les territoires par la police palestinienne, qui sont dans les prisons de l'autorité palestinienne, même s'il y a eu ce fameux accord de réconciliation sur le terrain, ça ne se voit pas. Tous les gens du Hamas qui sont arrêtés, c'est bien entendu quelque chose d'important et de positif pour Israël. C'est autant de gens en moins qui préparent des attentats. Et ça, c'est Abou Mazen et son autorité palestinienne, tellement décriée et tellement méprisée dans ce pays aujourd'hui, au niveau le plus officiel, qui le font. Puis je ne parle pas de choses qui se font sur le terrain. Lorsqu'il y a des arrestations nocturnes qui sont faites, que ce sont effectivement des soldats de Tsahal qui les font, mais ils sont couverts par un deuxième cercle, je dirais, de forces locales. On ne va pas rentrer trop dans les détails là-dedans. Ça va assez loin, ça va même très loin. Et je le répète, il est scandaleux à mes yeux qu'aujourd'hui en Israël, des milieux officiels jettent en pâture à l'opinion publique qu'il n'y a pas de partenaire, qu'Abou Mazen ne vaut rien, etc. Donc ça, au moins dans ce drame d'hier, il y a au moins quelque chose d'important pour l'opinion publique israélienne de se rappeler qu'il y a quelque chose en jeu qui s'appelle cette coopération sécuritaire. Et qui est aussi dans l'intérêt de l'autorité palestinienne, bien pas seulement des Israéliens. Attendez, Eleonore, Abou Mazen n'a pas pris sa carte à la Fédération sioniste, il y a une organisation sioniste mondiale, il reste le président de l'autorité palestinienne. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas par amour d'Israël, c'est son intérêt bien compris, on est d'accord. Il nous fait, si vous voulez, à ce point de vue-là, aucune faveur. Mais je pense que
à l'arrivée, si vous voulez, qu'il fasse une faveur ou pas, que ce soit son intérêt ou pas, cette coopération est indispensable. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Vous inviterez n'importe quel spécialiste militaire ou général de réserve, parce que le général d'actif ne peut pas s'exprimer, mais vous inviterez le précédent gouverneur de commandant du front centre de l'armée, celui qui vient de terminer, il vous le dira de manière beaucoup plus autorisée que moi, et je pense qu'il vous dira la même chose sur la manière dont Abou Mazen est traité dans ce pays depuis trop longtemps maintenant. Alors on va passer à la revue de presse avec vous, Maurice Yvergand. À la une de l'actualité, bien sûr, la mort du ministre palestinien. Alors bavure policière ou accident cardiaque, les versions divergent. Divergent en fonction du point de vue. On va commencer par le point de vue israélien avec le Jerusalem Post qui titre « La mort d'un responsable palestinien à la suite de clash avec l'armée provoque une crise ». Alors le quotidien en langue anglaise précise sa version des faits. Alors l'incident, dit-il, n'est pas clair. Les vidéos montrent Abu Ziyad Ayn au sol, se serrant la poitrine. Mais les versions varient donc. Des témoins affirment que Abu Ziyad Ayn a été bousculé. D'autres disent qu'il a été victime d'une crise cardiaque et est tombé. Un des officiers interrogé par le Jerusalem Post admet que les vidéos montrent un soldat repoussant assez fermement Abu Ziyad, mais l'officier dit « je dis cela sous réserve, nous enquêtons ». D'ailleurs, le Premier ministre, affirme le quotidien, a demandé l'ouverture d'une enquête. Des médecins légistes jordaniens sont venus déjà pour une première autopsie. Alors, de son côté, Mahmoud Abbas a qualifié Abu Ziyad Ayn de martyr et déclaré 3 jours de deuil et demande à la Jordanie une nouvelle expertise médicale. Toutes les options sont à l'étude, a déclaré Abou Mazen. Alors maintenant, on va regarder le point de vue arabe. On va commencer bien sûr par Al-Qos, le quotidien officiel palestinien. Alors, le quotidien titre « Kerry demande une rencontre urgente avec Netanyahou » sans préciser qu'il s'agissait de parler des Nations Unies et pas du tout du cas de Abou Ziyad. L'Europe appelle à une enquête impartiale, selon le quotidien Al-Qos, et l'autorité palestinienne, elle, déclare un deuil après l'assassinat, le mot est utilisé, par Israël du ministre Ziyad Abu Ayn. L'armée israélienne, écrit Al-Qods, a tué de sang-froid le ministre chargé de la lutte contre le mur de sécurité. Alors, un coup d'œil sur notre voisin, le Jordan Times de Jordanie. Le gouvernement jordanien condamne le meurtre, entre guillemets, et envoie des pathologistes à Ramallah. Ziyad Abu Ayn a été tué après avoir été battu par les forces de sécurité israéliennes, affirme le Jordan Times. Donc pourquoi une enquête c'est ça, on se pose la question. Le ministre jordanien de l'Information affirme que ce meurtre constitue une flagrante violation des droits de l'homme de la part des forces d'occupation. Le quotidien Al-Arabi, le ministre Abu Ziyad Ayn a été battu à mort par les troupes israéliennes alors qu'il participait à une action de protestation au nord de Ramallah. Selon des témoins cités par Al-Arabi, un soldat israélien casqué a donné un coup de tête vicieux, c'est le terme utilisé, à Abu Ziyad qui est tombé dans le coma. Enfin, on va finir par l'agence de presse iranienne, Fars News. L'Iran condamne Israël pour l'assassinat d'un ministre palestinien et l'agence de presse iranienne sait que Israël a tué par balle le ministre palestinien chargé de la lutte contre les colonies et la barrière de sécurité. Vous voyez que ça tout dépend du point de vue. Oui, de toute façon, une enquête est en cours en Israël sur les circonstances de la mort du ministre. Le deuxième dossier du jour, c'est bien sûr cette alliance entre le Parti Netanyahou et le Parti Travailliste Israël. Qui fait la une de la presse et vous allez voir, on va prendre par exemple Yedioth Aharonot, Herzog et Livni ensemble, partageons entre nous la direction du pays. L'accord a été entériné par les instances du Parti Travailliste, précise le quotidien, avec tout le respect que nous lui portons, un peu difficile de comprendre l'exigence de Livni de partager le pouvoir, écrit l'éditorialiste de Yedioth Aharonot. Herzog, accusé d'avoir trop donné et pas assez reçu, justifie sa largesse en expliquant qu'avant cette union, personne ne donnait gagnant le Parti Travailliste. Israël Ayom, Herzog et Livni ensemble avec un accord de rotation. Livni affirme que Herzog doit être le prochain Premier ministre, mais elle a exigé et reçu une rotation en cas de victoire, on ne comprend pas pourquoi. 2 ans pour lui et 2 ans pour moi, a-t-elle dit. Prochaine recrue du nouveau mouvement qui s'appelle le cancioniste Shaul Mofaz. On se pose la question, du moins à Israël Ayom, qu'est-ce qu'on va lui offrir. On finit par Haaretz, Herzog et Livni d'accord pour une liste commune et un accord de rotation.
et le quotidien d'expliquer que le sentiment au Parti travailliste, c'est qu'il s'agit d'une sorte de victoire de laquelle on sort perdant. Bref, une victoire pour Livni, selon Haaretz, et pour Herzog, un nouveau titre, le champion des concessions. Merci Maurice. On va revenir tout de suite sur les faits qui ont conduit justement à la mort de Ziad Abou Aïn avec ce sujet signé Lassia Rezouk. Une mort qui soulève de nombreuses questions. Ce mercredi, Ziad Abou Aïn, 55 ans, ministre en charge du dossier de la colonisation au sein de l'autorité palestinienne, est décédé soudainement alors qu'il manifestait dans le village de Tour Moussaïa, près de Ramallah. Il faisait partie d'un groupe de 300 manifestants venus pour planter des oliviers. Sans hésiter, le groupe s'est approché des soldats israéliens en charge de la sécurité. Des heurts éclatent rapidement. Il nous agresse. C'est cela le terrorisme de l'occupation. C'est une armée terroriste. Elle pratique le terrorisme contre le peuple palestinien. Nous sommes ici sur notre terre pour planter des oliviers et ils nous attaquent. Personne n'a jeté de pierre et personne n'a répliqué. L'armée d'occupation terroriste pratique la répression et le terrorisme contre le peuple palestinien. Trois soldats repoussent fermement Ziad Abou Aïn, excédé. Ils l'empoignent à la gorge. Sur ces images, on le voit tomber dans l'herbe sans pouvoir se relever avant de perdre connaissance. Il décédera un peu plus tard alors qu'une ambulance l'emmène vers l'hôpital de Ramallah. Mais quelle est la cause réelle du décès du ministre palestinien ? Les versions des responsables israéliens et palestiniens diffèrent fortement. Mahmoud Abbas a rapidement dénoncé une agression barbare de la part des soldats. Ils auraient frappé Ziad Abou Aïn avec la crosse de leur fusil. Selon Ahmed Bitaoui, le directeur de l'hôpital de Ramallah, il aurait également été frappé au torse. Une version contredite par l'armée israélienne qui parle quant à elle d'une crise cardiaque, mais continue malgré tout ses investigations. Cette version a été corroborée par des témoins sur place qui réfutent les accusations de violence. Deux versions différentes, mais une certitude néanmoins. La mort de Ziad Abou Aïn devrait exacerber des tensions déjà croissantes entre les deux parties. L'autorité palestinienne a d'ores et déjà annoncé qu'elle mettait fin à sa coopération sécuritaire avec Israël. Alors, on a vu cette vidéo qui n'est pas très claire. On voit des images, on voit bien qu'il y a des affrontements entre les forces de l'armée israélienne et ce ministre ou responsable palestinien. Comment on peut savoir réellement ce qui s'est passé au cours de ces affrontements ? Comme Maurice disait tout à l'heure, tout dépend du regard de la personne. Donc, en fait, chacun peut dire ce qu'il veut. Vous avez vu que la presse palestinienne et jordanienne emploie des termes. Moi, je pense qu'il faut laisser faire les médecins. C'est pas la première fois qu'il y a des autopsies qui sont pratiquées conjointement par des pathologues israéliens, palestiniens et jordaniens. Comme ça, tout le monde ne s'en peut pas accuser de manipulation. C'est ça la solution, finalement. Mais bien sûr, je ne vois que celle-là, parce que du côté de l'armée, on va dire qu'il n'y a pas eu d'intervention violente, on l'a juste un tout petit peu pris à la gorge, il n'y a pas de quoi, ça ne tue pas quelqu'un. De l'autre côté, on va dire, oui, mais les Israéliens savaient qu'il était malade, qu'il avait un problème, donc il ne fallait pas qu'ils le prennent à la gorge. Ça n'avancera rien. Il y a des médecins, il faut attendre maintenant les résultats de leur expertise, et voilà. Mais à l'arrivée, il y a un important leader palestinien, que ce soit ministre ou pas, c'est pas important. Il y a une figure publique palestinienne importante et très populaire dans les territoires qui meurt dans un affrontement d'un genre, de tel ou tel genre, avec l'armée israélienne. Et ça, dans la situation actuelle, au-delà du drame humain d'une personne qui meurt, d'abord, hein, il faut quand même dire ça, mais au-delà de ça, je pense que c'est la dernière chose à peu près dont on avait besoin aujourd'hui. On avait besoin. Ali Waked, bonjour, vous venez de nous rejoindre. Vous êtes consultant et 24 News et spécialiste du monde arabe. Vous avez vu ces images. Qu'est-ce qu'on peut... À quoi on peut s'attendre après la mort, justement, Yoshua Misha vient de le dire, d'une figure politique palestinienne? Quelles vont être les conséquences directes? Les Palestiniens voulaient lever la lutte non violente contre le mur de séparation et contre les colonies israéliennes en Cisjordanie vers l'opinion publique mondiale, que après la lutte armée, faire sauter des bus à Tel Aviv, etc., et à Jérusalem, entre 2000 et 2005, la lutte palestinienne passe à la non-violence. Et j'ose dire même que les Palestiniens s'attendaient à un incident, pareil, peut-être pas le décès de Ziad Abou Aïn, mais un incident qui mettra la lutte armée à l'attention au point de vue mondial. C'est arrivé hier après-midi.
on est dans une situation politique très délicate. Il y a les élections en Israël. Les Palestiniens sont très conscients que leur réaction peut servir, notamment la droite israélienne. Donc, ils sont très prudents. On verra la rage palestinienne, on verra la colère palestinienne, mais elle ne sera pas de telle mesure qu'elle pourra servir la droite israélienne, notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les Palestiniens vont utiliser cet incident pour continuer leur marche vers joindre les conventions, peut-être la convention de Rome pour, devenir, ouais, pour devenir un membre officiel et permanent de la convention de Rome et de la Cour pénale internationale. Mais en aucun cas, il n'y aura pas des consignes de l'autorité palestinienne de faire exploser les choses. Il se souvient très bien, 98, il y avait de la violence. Shamir a battu Peres. Netanyahu a battu Peres. Shamir avant a battu Peres. Sharon a battu Barak au fond d'actes de violence des Palestiniens. Et cette fois-ci, l'autorité palestinienne veut éviter à nouveau ce scénario. L'autorité palestinienne veut éviter ce scénario, mais j'aimerais qu'on revienne quand même à ce qui s'apparente à ou un arrêt cardiaque ou une bavure policière. Finalement, quels que soient les résultats de l'enquête lancée en Israël entre les médecins légistes jordaniens et israéliens, est-ce que ça risque d'apaiser des tensions ou ça y est, la machine est lancée, cet événement va créer de nouvelles émeutes et va encore une fois dégrader la situation sécuritaire selon vous ? Elle ne va pas dégrader la situation sécuritaire d'une façon qu'on n'a pas connue ou d'une façon qui ne peut pas être contrôlée. Je pense, à mon avis, le fait qu'il y a des élections, les Palestiniens prennent ça en compte. Mais le fait qu'on commence à parler d'un examen d'autopsie commun, c'est le résultat de ce qui s'est passé il y a quelques mois à Bitounia, où il y avait deux jeunes Palestiniens tués. Le côté israélien a nié toute responsabilité de cette tuerie de Palestiniens non armés qui avaient le dos aux soldats tués du dos. Et du coup, avec les instances internationales et Israël a été obligé de participer à l'autopsie et admettre que c'était un soldat israélien qui a tué sans raison. Et d'ailleurs, ce soldat, il fait face à un procès juridique ici en Israël. Donc, c'est pour cela qu'Israël, hier, a proposé de faire partie de l'autopsie. Il y aura un pathologue israélien, jordanien et palestinien qui feront l'autopsie, mais le narratif, il est déjà là. Quoi que ce soit le résultat, que ce soit par crise cardiaque ou à cause de cette prise de la gorge ou à cause des gaz lacrymogènes, il y a un martyr de la lutte anti-violente des Palestiniens. Allez, la lutte anti-violente, on se rappelle quand même que ce responsable palestinien est responsable de la mort de deux Israéliens. C'était il y a 35 ans, il a attiré. Ziad Abouaïn n'a jamais admis ça et il a été emprisonné en Israël à plusieurs reprises. Pendant 13 ans. Ça change la donne, ça, ce passé sécuritaire fait... Vous pensez dans la façon dont les autorités israéliennes ou palestiniennes peuvent gérer cette crise? Non, je ne pense pas. Ziad Abouaïn, depuis très longtemps, il participe à des rendez-vous entre Palestiniens et entre Israéliens, entre militants de paix israéliens et palestiniens. Il était un des figures les plus importantes de la lutte anti-violente. Ziad Abouaïn est une des personnes les plus contestées par le Hamas pour ses relations avec les Israéliens, pour le fait qu'il condamnait à toute place la lutte violente par rapport en comparaison à la lutte populaire qu'il voulait mener. Donc, je ne pense pas que maintenant essayer de dire lui il a tué. D'ailleurs, il faut regarder la presse internationale pour voir que son passé, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai qu'il a été impliqué dans la tuerie de deux jeunes Israéliens, ne fait pas partie dans aucune discussion médiatique. La machine diplomatique palestinienne travaille des heures supplémentaires ces dernières heures pour mettre encore au coin Israël, pour approfondir l'isolement d'Israël. Le choix, Michel, vous pensez que cet événement va avoir des répercussions sur la période préélectorale, sur les sondages, sur l'opinion publique israélienne ? Je pense qu'Ali a touché un point important. On s'appelle très bien tous, effectivement, on ne va pas répéter ce qui a été dit, mais comment des vagues d'attentats terribles, il faut se rappeler quand même. Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça de la lutte armée. Faire sauter des autobus à Tel Aviv, ce n'est pas de la lutte armée. Mais tout ça a porté à des résultats, a chauffé l'opinion publique à blanc, ce qui est tout à fait normal. On n'est pas fait de bois. Et, il radicalise l'opinion publique. Mais bien entendu. Et ça a apporté des résultats politiques très clairs. Donc,
Est-ce qu'on est dans un cas similaire aujourd'hui? On n'est pas quand même à une période d'intifada, en tout cas, non, les moins qu'il y a quelques semaines. Éléonore, le problème, c'est qu'il y a un engrenage qui est possible. C'est-à-dire que l'analyse d'Ali Wakid, je la partage et j'espère aussi qu'elle se réalisera, parce que personne ne veut voir le retour de la violence, des attentats et des actions que nous serons obligés à mener pour faire cesser les attentats. Mais d'un autre côté, imaginez-vous, je voudrais même pas en parler, mais imaginez-vous qu'il se produise un incident comme celui d'hier, après-demain, ou qu'il y ait une bavure quelconque, ou qu'il y ait des gens de certaines implantations dont nous savons qu'ils ont des positions très extrémistes dans certaines des implantations qui sont très typées, je dirais, qui décident de faire quelque chose. Vous savez, cette région est pleine de pyromanes. Donc, il faut maintenant que chaque camp essaye de mettre ses propres pyromanes hors d'état de nuire. Ça doit être fait. On n'est jamais certain de pouvoir le faire à 100%. Donc on est à la merci, je dirais, d'un provocateur quelconque d'une partie, d'un côté ou de l'autre, qui malheureusement peut faire dégénérer un engrenage qui va nous amener à des choses que personne ne veut voir. Donc il faut espérer maintenant que cette coopération sécuritaire dont je parlais en début d'émission se renforce, mais d'un autre côté, il faut aussi se mettre deux secondes quand même à la place des dirigeants palestiniens à Abu Mazen. Comment est-ce que, d'un côté, il calme son opinion publique ? Ils sont obligés de réagir. Mais voilà, il ne peut pas non plus dire « Ah bon, d'accord, il y a eu un petit incident et ça n'a pas d'importance ». D'un autre côté, il doit, lui, savoir comment doser sa réaction, comment la faire suffisamment forte pour que l'opinion publique palestinienne sente que quand même il y a quelque chose qui a été dit et a été fait, de l'autre côté, sans mettre en marche... Tout en apaisant la situation, est-ce qu'il peut avoir ce rôle à lui ? Parce que, comme dit M. Abou Mazen doit doser la réaction palestinienne parce qu'elle peut servir le Hamas. Le Hamas qui, depuis hier, avec les condoléances qu'il a présentées au Fatah pour le décès de Ziad Abou Ayn, a appelé l'autorité palestinienne à rompre la coordination sécuritaire, à lâcher les mains et les bras des militants et des activistes et des citoyens palestiniens pour affronter les Israéliens. Et Abou Mazen, il est très bien conscient qu'une nouvelle vague de violence, une détérioration servira le Hamas dans un moment où Abou Mazen est aussi, lui, sur le plan interne, dans un moment délicat où l'opinion publique palestinienne attend de la part de l'autorité palestinienne des vraies mesures pour mettre fin à la situation dans laquelle vivent les Palestiniens. Mais allez, tout le monde appelle à cesser cette... Enfin, tout le monde, côté palestinien, appelle à cesser cette coopération sécuritaire et finalement, sur le terrain, on a bien vu qu'elle n'était pas arrêtée pour l'instant. Elle ne peut pas cesser parce que c'est dans le bien. Les Palestiniens participent à cette coordination parce que c'est pas parce qu'ils ont adhéré au mouvement sioniste international. C'est pour les intérêts. Ce que vous avez dit en début d'émission. C'est pour les intérêts. Bah oui. C'est pour les intérêts des Palestiniens. Abou Mazen sait que le Hamas. C'est des menaces en l'air finalement. C'est des menaces en l'air, mais il ne faut pas non plus pousser les Palestiniens jusqu'au bout. Si les Palestiniens voient qu'ils n'ont rien à perdre et si la communauté internationale n'adopte pas leur marche vers la reconnaissance du Conseil de sécurité, ce sont des facteurs à prendre en considération. Merci beaucoup Ali Wakid, merci Oshoua Michav et Maurice Ifergan. Dans un instant, on parlera d'une nouvelle manière de parodier les politiciens en Israël par un journaliste DJ qui crée des hits en reprenant les phrases choc des ministres. C'est dans quelques minutes, juste après le journal. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning, on reparle à nouveau de cette alliance qui fait la une de la presse israélienne. C'est bien sûr l'alliance Tzipi Livni, le chef du parti Atnoa, et Yitzhak Herzog, chef du parti travailliste. On va tout de suite écouter Yitzhak Herzog, on en reparle juste après. Le temps du changement est arrivé. Une autre voie existe. Cette voie est celle de l'union des lignes et du rassemblement des forces sionistes. Cette voie est celle d'une marche commune pour le bien du pays. Cette voie est d'être ensemble pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants et de tous les citoyens de l'État d'Israël. Nous devons nous unir car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons gagner. Ce soir, la présidente du parti Atnoa, Tzipi Livni, et moi-même vous proposons un nouvel espoir pour un meilleur futur.
Alors, plusieurs choses à retenir de cette conférence de presse qui s'est déroulée hier avec Tzipi Livni qui a pris la parole juste après Yitzhak Herzog. D'abord, qu'est-ce qu'on doit penser de cette sorte de garde alternée que nous promettent Tzipi Livni et Yitzhak Herzog? 2 ans Premier ministre, 2 ans l'un, 2 ans l'autre, ça vous paraît réaliste? Ah oui, c'est réaliste. On a déjà eu dans les années 80 un gouvernement d'union nationale ici avec une alternance, une rotation au poste de Premier ministre entre Shimon Peres et Yitzhak Shamir. Non, je pense que moi ça m'impressionne parce que ça veut dire qu'Yitzhak Herzog a quand même, comme il l'avait promis d'ailleurs, mis son ego de côté. C'est très rare quand même en politique, je pense, qu'un homme politique, un leader politique de premier plan, parce que Tzipi Livni, elle vient avec 6 mandats, Herzog vient quand même avec plus du double, donc a priori... C'est vrai, mais Herzog a peut-être compris aussi que seul, il ne pourrait jamais l'emporter. C'est possible, mais c'est possible. Et encore une fois, on parlait de ça dans la partie précédente, les gens agissent après, enfin, on espère, en tout cas, après mûre considération des données du problème, et, mais quand même, c'est un acte, enfin sans précédent, donc ça quand même à être salué. Et je pense qu'il y a un pari là, c'est-à-dire ils essayent de créer un coup de fouet dans le camp politique que ces deux partis représentent et qui est un camp qui est en proie au désespoir depuis des années, qui ne se trouve pas, qui est divisé entre des tas de composantes et qui surtout a fini par perdre l'espoir, je disais, donc de pouvoir un jour revenir au pouvoir. Or ici, ce genre de situation, on va voir les sondages dans les jours qui viennent, qui donneront une indication, ce genre de situation donne en général un coup de fouet, font passer un message en disant voilà, quand on est ensemble, on est plus fort, et on a peut-être une chance maintenant de donner un vrai combat politique face à Benjamin Netanyahu, qui jusqu'ici, il faut dire, a quand même profité beaucoup de la division de tous ses adversaires politiques. – Il y a certains qui voient un manque de leadership, justement l'expression d'un manque de leadership dans cet échange entre Tzipi Livni et Yitzhak Herzog, ça peut aussi être interprété comme ça, il n'y a pas un leader assez fort pour combattre Benjamin Netanyahu, idéologiquement en tout cas, donc on fait des rotations maintenant. – Eleonore, ça, c'est la difficulté de la vie des hommes politiques. C'est-à-dire, quoi qu'il fasse, ce sera jamais bon. Toujours, ouais. C'est-à-dire, s'il avait fait capoter l'accord avec Livni, il n'y aurait pas eu d'accord, toute la presse lui serait tombée dessus ce matin. Regardez ça, pour sauvegarder les intérêts de sa petite personne, il fait manquer à son camp politique une occasion historique. Bon, maintenant, il a fait ce qui, à mon avis, il fallait faire, mais que pas tout le monde, je pense, est capable de faire. Et il donne une vraie chance de donner un vrai combat politique. Ça ne veut pas dire que la victoire est assurée, très très loin de là, mais il va quand même y avoir pour la première fois une opposition structurée, unifiée, qui va parler d'une seule voix, etc. Alors on dit, il a fait trop de concessions, c'est parce qu'il a lui-même, il manque de charisme. Vous savez, à propos de charisme, Eleonore, quand je pense à David Ben-Gurion, c'était un monsieur d'1m60 à peu près. Il avait les cheveux... Le charisme, c'est pas une question de taille. Hein. Non, mais attendez. Il avait... On est dans le monde de l'image et de la télévision. Hein, c'est pas ici que je veux le dire, quand même. Alors, Ben-Gurion, 1m50-60, avec des cheveux ébroussaillés, ébouriffés, qui partent dans tous les sens, avec une voix très mal assurée, une voix de fossé, comme on peut entendre dans les enregistrements, etc. Comme d'ailleurs, on reproche à Yitzhak Herzog d'avoir... Absolument. Une voix, alors, est-ce qu'il serait élu aujourd'hui, David Ben-Gurion? Non, je pense qu'il faut dépasser le clinquant et le règne absolu de l'image, bien qu'il soit incontournable. Il faut voir ce qui a été fait pour des raisons aussi de vrais calculs politiques. Il a quand même trouvé en lui la force morale de dire voilà, je ne peux peut-être pas y aller tout seul, je vais mettre une partie de mon ego de côté. C'est suffisamment rare, à mon avis, pour être souligné. Alors, on peut aussi s'intéresser au parcours de Tzipi Livni, parce qu'elle a quand même fait 3 partis avant d'arriver au Parti travailliste. Ça y est, elle a trouvé son prince charmant. Mais écoutez, ça, il faut lui demander à lui. Mais Tzipi Livni incarne un phénomène qui ne la concerne pas seulement elle. Il y a beaucoup de leaders historiques de la droite israélienne qui, une fois arrivés au pouvoir... Tzipi Livni vient d'une famille de combattants de l'Irgun, quand même, de l'Etzet. C'est pas n'importe quoi. Elle l'a rappelé hier. Des différences de valeurs quand même essentielles. Absolument. Est-ce que ça va, comment ça va elle se traduire opposée, Elle s'est opposée aux accords d'Oslo, et là, etc. Mais vous constatez, comme moi, que
un grand nombre de leaders historiques de la droite israélienne, lorsqu'ils arrivent aux affaires, lorsqu'ils prennent toutes leurs responsabilités, lorsqu'ils ont accès aux secrets d'État les plus secrets, les plus classés, où il y a 4 ou 5 personnes dans tout le pays qui les savent, qui les connaissent, lorsqu'ils sont reçus à la Maison Blanche et qu'après on fait sortir les conseillers et qu'on reste en casu avec le président des États-Unis, on apprend, semble-t-il, des leçons de réalisme politique. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul sur la planète, qu'on est lié par un ensemble de contingences et d'intérêts internationaux. Mais où est la limite entre des valeurs politiques, des valeurs de parti politique gauche-droite et le réel politique, comme on dit ? Est-ce que les Israéliens ne vont pas se dire, bah, finalement, il y a eu un manque total de cohérence et la politique, c'est finalement que des jeux de pouvoir Écoutez, si Tzipi Livni passait avec son siège d'un parti à l'autre et qu'elle ne faisait rien entre les législatures, on pourrait dire... Il y en a qui lui reprochent exactement ce que vous venez d'écrire. Mais, oui, mais je ne sais pas pourquoi c'est fondé tellement. Parce que quand vous regardez Tzipi Livni dans le gouvernement sortant, avec 6 mandats quand même, 6 sièges, c'est pas terrible, c'était le plus petit groupe, le plus petit parti représenté dans la coalition. Elle a réussi, plus d'ailleurs, on oublie souvent qu'elle est aussi ministre de la Justice. Elle n'a pas réussi à débloquer le gel complet de ce qui reste des ruines du processus israélo-palestinien. Mais par contre, en tant que ministre de la Justice, elle a réussi à bloquer et à faire front à toutes les attaques permanentes contre la Cour suprême, contre les juges, qui sont un ennemi à abattre pour une partie de la classe politique israélienne. Vous avez des députés, et ils sont dans la majorité sortante, qui on fait de la croisade contre la Cour suprême leur cheval de bataille. Elle a réussi, par son droit de veto, par le fait qu'elle était présidente de la commission interministérielle pour les affaires de la justice et par son entre-gens avec d'autres députés avec lesquels elle a réussi à construire une espèce de mur de protection devant la Cour suprême. Et si nous avons cette institution, qui bien entendu n'est pas parfaite, mais qui est décisive pour la sauvegarde des droits de l'homme en Israël, je pense qu'aujourd'hui, en grande partie, c'est à Tzipi Livni qu'on le doit encore, et je pense que ça, c'est déjà, pour moi, c'est très certainement un titre dont elle peut se prévaloir. Alors, on va parler dans un... Oui, Mireille ? Si je peux me permettre, la prochaine étape va être plus compliquée quand même, puisque pour avoir, on le sait, avec le jeu des coalitions, il va falloir quelque part que Bougie Herzog et Tzipi Livni créent d'autres coalitions. On voit quand même assez mal Bougie Herzog s'allier avec Avigdor Lieberman, par exemple. Et pourtant, ils auront besoin de ce jeu politique, puisqu'en Israël, c'est la règle du jeu. Écoutez, Lieberman, ça fait des années que c'est un peu une énigme. C'est-à-dire qu'il a quand même cette image de un peu de videur de bar, si vous me permettez l'expression. Mais d'un autre côté, si vous faites attention à son parcours politique, tous les 6-7 mois, il lâche des déclarations qui le mettent plutôt au centre droit que vers une droite radicale. L'alliance que je ne vois pas, c'est celle qui pourrait venir, enfin qui serait suggérée avec Naftali Bennett, qui a des positions beaucoup plus radicales, y compris sur la question du monde du temple, etc. Lieberman s'est centralisé avec les années. On peut s'imaginer d'ailleurs qu'il rejoigne un bloc de centre-gauche. Ça, c'est déjà plus difficile à envisager parce qu'il a un électorat qui est probablement plus à droite que lui, donc il doit quand même faire son beurre électoral. Ça, il faut laisser... vous savez, tout dépendra, c'est toujours un peu la même histoire. Le 17 mars au soir, tout dépendra de la répartition des mandats. Lieberman a 14 ou Lieberman a 20, c'est pas le même Lieberman. Herzog et Livni à 23-24 ou à 18-19, 17-18, ce sont pas les mêmes Herzog-Livni. Donc on est un peu tous suspendus... En tout cas, on a encore 3 mois qui risquent d'être riches en rebondissements. Vous savez, s'il pouvait y avoir quelqu'un qui prenne ce pays et qui nous fasse sauter tous 3 mois auparavant pour qu'on sache où on en est et qu'on puisse repartir de zéro, parce qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier, c'est un pays qui n'a pas de budget pour le moment, qui a des problèmes économiques graves, sociaux, qui a les écarts sociaux les plus importants du monde occidental, dont l'isolement sur la scène internationale croît. Donc moi, je vais vous dire, on est condamné à passer les 100 jours qui viennent, mais en fait, on va perdre énormément de temps. Et moi, je suis très impatient de voir
quel verdict le peuple va donner et sur quelle route nouvelle on pourra démarrer le 18 mars. Allez, on va passer à la chronique de Miri Maman. Bonjour Miro, bonjour Miri. Noy Alouche, il est journaliste et DJ et son travail c'est de parodier en fait les phrases chocs des ministres et des politiciens israéliens. Oui, c'est tout le jeu. Vous savez, le mariage entre le côté musicien et le côté journaliste donne qu'il analyse des discours politiques et il les utilise, il extrait les phrases qui ont choqué ou qui ont interpellé les gens. Et il est connu dans le monde entier, il est israélien, mais il est connu partout, notamment par rapport à son clip, à son remix d'un discours de Kadhafi. Je vous propose tout de suite de regarder, de voir de quoi il s'agit. Alors, c'est pas tellement ce qu'il dit, c'est le Zenga Zenga qui sonne quand même comme un refrain, vous savez, comme une chanson. Et donc, il a utilisé ça, ça a fait le tour du monde, c'est assez connu. D'ailleurs, quand on parle de détournement de discours ou de slogans, on pense tout de suite à Kadhafi et à ce clip qu'on vient de voir. Alors, on revient au présent, on a parlé des élections, la campagne n'a pas encore commencé, mais déjà, Noy Alouche s'est penché sur les derniers discours, c'est les derniers échanges des hommes politiques en Israël. Et le dernier exemple en date, c'est le licenciement de Yair Lapid, du ministre Yair Lapid, par Benjamin Netanyahou, et de la réponse de l'intéressé au Premier ministre israélien. Regardez. אתמול בערב ראש הממשלה כינס מסיבה, מסיבה, אז אני רוצה להתבחן. למה? במילה אחת. כי אתה מנותק, טק, 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 מנותק, מנותק, טק, 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 מנותק, מנותק, אתה מנותק, טק, 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 מנותק. Il y a un bon rythme quand même, hein. Ça peut faire un tube. Et donc il reprend, il remixe les phrases telles quelles, hein. Il ne les fait pas chanter, mais on a vraiment l'impression que ça fait partie de la chanson. Donc là, il a repris le fameux Menoutak de Yair Lapid qui a fait le tour d'Israël, qui veut dire donc déconnecté de la réalité, puisque pour lui, Benjamin Netanyahou est déconnecté de la réalité des Israéliens. D'ailleurs, Yair Lapid lui-même l'a partagé, il me semble, sa page Facebook. Ah, oui, bah, c'est très réussi. Ça plaît aux politiciens, parce que finalement, ça leur fait parce la pub. Ils existent. C'est la pire chose pour un politicien, c'est qu'on en parle pas. Mais voilà, c'est qu'il n'y a pas d'imitateur qui le contrefait, qu'il n'y a pas de trucs comme ça. De c'est... poupée ou de, voilà, de guignol. Vous pouvez me démolir tant que vous voulez dans votre journal. L'essentiel, c'est que vous écriviez vous mon nom de moi. Sans faute d'orthographe. Voilà. C'est ça. Et justement, il y a un autre exemple, c'est celui de Bougie Herzog et de Benjamin Netanyahou. Quand Benjamin Netanyahou lui dit, donc Bougie Herzog, lui, pareil, dit qu'il est déconnecté de la réalité et qu'il essaye de lancer de la poudre aux yeux des Israéliens. Et Benjamin Netanyahou qui lui répond, pour vous, les travaillistes, tu n'as pas évacué. Tu n'as rien fait, voilà ce que ça donne. יש לכם אינטרס פוליטי, במיוחד לך ראש הממשלה, לדבר עוד ועוד על הלאום, כדי שהישראלים לא יעסקו ולא יתמקדו בבעיות האמיתיות. ביבי ישראל תקוע איתך, ואתה תקוע בלי תשובות לאף אחד. ביבי ישראל תקוע איתך, ואתה תקוע בלי תשובות, תקוע בלי תשובות. כלכלה, איראן, יוון, כלכלה, יוון, איראן, ועברנו את ספרד, ועברנו את יוון, ועברנו את איראן. Alors, on l'a entendu, hein, ce sont des phrases qui marquent, mais il y a aussi des slogans de campagne, des vrais slogans de campagne, hein, Mireille. Oui, ça c'est encore, c'est important, hein, les mots qu'on utilise dans les slogans de campagne, dans les campagnes politiques, on le sait parce que les mots sont percutants. On se rappelle par exemple de « Yes, we can » de Barack Obama. Il faut que ce soit comme un refrain dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Vous savez, celui qui vous suit toute la journée, c'est pareil pour les slogans de campagne, il faut que ce soit simple, percutant, que ça veuille évidemment dire quelque chose, même si quand on sort du contexte, finalement, Yes Weekend, ça veut rien dire, mais il utilise quand même le Yes Weekend, ça veut dire oui, nous le pouvons. Pouvoir, le pouvoir, c'est un mot qui est souvent utilisé dans les campagnes électorales, dans les slogans. Un slogan qui réussir à trouver un slogan accrocheur, c'est gagner déjà une partie de la bataille. Et toujours et souvent avec les mêmes mots. Mais donc, mis différemment et utilisé d'une autre manière, est-ce que, alors, on va parler d'un autre slogan, est-ce que vous vous souvenez en 2012, celui de François Hollande ? Moi, président. Non, alors je vais vous rafraîchir la mémoire. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant.
Ouais. Ah, donc un autre mot, c'est le changement, évidemment, qui est souvent utilisé. Là, François Hollande a rajouté un petit geste pour marquer les esprits. Ça avait bien marché, d'ailleurs, ce slogan à l'époque. Voilà, il y a eu la France forte aussi de Nicolas Sarkozy avec le mot force. Benjamin Netanyahu l'a également utilisé en 2013 en disant Premier ministre fort, Israël fort. Je ne sais pas si vous en souvenez. Voilà, merci, Miri Maman. Merci au choix, Michel, d'avoir été avec nous. Dans quelques minutes, on parlera de cette catastrophe écologique à Areva. Le Premier ministre israélien s'est rendu hier là où s'est produit cet accident. On en reparle juste après le journal. Il est 9h12 à Tel Aviv. On retrouve ce matin Ethan Haddock. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef sur i24 News et Betsabeh Salem. On va commencer avec vos 5 clics, 5 infos. Betsabeh, on parle ce matin d'une personnalité, la personnalité de l'année élue par le magazine Time. Hein. Mais en effet, ce sont des personnalités. En fait, Eleonore, ce sont les combattants contre Ebola, des médecins, dit le Time, qui continuent à travailler quand bien même leurs collègues tombent malades et meurt, des infirmières qui réconfortent les patients, les pieds dans des flaques de boue, de vomi, d'excréments. Le magazine mentionne en outre spécifiquement les forces spéciales de l'organisation MSF, Médecins sans frontières, les travailleurs humanitaires de l'association caritative chrétienne Samaritan's Purse. Et ce choix a touché, bien évidemment, les médias dans le monde entier, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été très largement repris. Des médias qui en profitent pour rappeler qu'aujourd'hui, le nombre de morts victimes d'Ebola s'élève à 6331 personnes sur un total de plus de 17 000 cas. Et ils reprennent les propos de la rédactrice en chef du Time, Nancy Gibbs, qui affirme « Ebola est une guerre, est un avertissement. Le système de santé mondial est loin d'être assez solide pour nous protéger d'une maladie infectieuse. » Fin de citation. Alors, on reste aux États-Unis, plus exactement au Michigan. L'État du Michigan qui va tester une nouvelle mesure à compter d'octobre 2015, supprimer les aides sociales aux consommateurs de drogues douces comprises. Alors, comment ça se passe? Corinne nous explique qu'en fait, les bénéficiaires d'aides sociales vont être soumis à un interrogatoire concernant leur consommation de drogue. Ils vont être soumis à des tests de détection de drogue. Et bien, au bout de deux tests positifs, les aides sont supprimées pendant au moins 6 mois. Alors, de quoi marquer des points auprès d'une partie de l'électorat, souligne certains commentateurs locaux, comme pour les républicains Svitalski, qui affirme l'objectif est simplement, en fait, de rendre négative encore la perception que la société a des personnes défavorisées. Notez quand même que au moins 11 États américains ont déjà adopté des mesures similaires. Direction à Hong Kong, où un fléau touche les travailleurs étrangers. Voilà, on en parle à l'occasion de la 66e journée des droits de l'homme. C'était hier, le 10 décembre. RFI a choisi de relater le calvaire des travailleurs domestiques à Hong Kong. De nombreux témoignages de migrants qui ont mis la lumière sur des mauvais traitements qui sont bien trop répandus, comme cette jeune fille qui arrive en mai 2013 dans l'ancienne colonie britannique et raconte au juge « Ma patronne a mis l'embout d'un aspirateur dans ma bouche en le tournant dans mes gencives. » Elle décrit avoir été nue, laissée nue en hiver sous un climatisateur, des douches froides, des privations de nourriture, un manque de sommeil et bien sûr des coups qui pleuvent. Alors un cas qui est extrême, mais qui est loin d'être isolé, d'autant que beaucoup de personnes, beaucoup de travailleurs domestiques n'osent pas parler surtout. Alors on va parler d'une invention qui va sans doute intéresser les personnes qui ont du mal à s'endormir. Mal à s'endormir, qui se réveillent la nuit, qui n'arrivent pas à dormir la deuxième partie de la nuit. C'est un objet inventé par un entrepreneur britannique très jeune. Il a une vingtaine d'années. L'invention a été reprise par le Guardian. Ce matin, il s'agit d'une boule, vous allez voir, de la taille d'une balle de tennis, appelée Sense. Alors jusqu'à présent, ce genre d'objet, qu'est-ce qu'il faisait? Il captait votre respiration, vos mouvements. Alors Sense, elle, fait plus que ça. Elle établit un lien entre vos mouvements et votre respiration, et elle a aussi des capteurs qui captent par exemple la lumière, l'humidité, le pollen, la poussière de votre environnement. Et dans l'application qui est reliée, eh bien, elle fait le lien entre vos moments de sommeil agités, effectivement la lumière, un chien qui aboie ou peut-être votre propre ronflement. Voilà. Ah, vous pensez que c'est utile? Il faut essayer. C'est disponible au début de l'année prochaine en Grande-Bretagne.
Et on va finir sur les villas de luxe. Pour ceux qui aiment les villas de luxe, je pense qu'il y en a peu qui n'aiment pas les villas de luxe. Voilà, c'est version, c'est Bicoque version Federer. C'est au bord d'un lac suisse, près de Zurich. Et voilà, quelques images présentées par le Télégraphe. 3 étages, une piscine, vue grandiose. Tout ça, c'est avec fait de verre, des vitres en verre tout autour. 500 mètres carrés. Alors, Roger Federer, qui est quand même 33 ans seulement, mais bon, il a 2 paires de jumeaux quand même. Sympa la part. 83 millions d'euros, voilà, c'est pour ceux qui aiment les choses simples. Merci de nous faire rêver, Betsabé. Allez, on passe à Israël, qui est face à la pire, à une des pires catastrophes écologiques de son histoire. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu hier sur les lieux de l'accident. L'accident qui a entraîné la rupture d'un oléoduc de pétrole dans le sud, Arava. On regarde ce reportage signé Ethan Haddock et Nassib Safadi. On en reparle juste après. Nous sommes dans le Negev, au sud d'Israël, une région protégée qui vient de connaître la plus grande catastrophe écologique jamais connue dans le pays. Cet oléoduc qui part de la mer Rouge jusqu'à Ashkelon a déversé plus de 5 millions de litres de pétrole dans un parc naturel à seulement 15 km d'Elat. Nous accompagnons sur les lieux Yosef Abramovitz, un pionnier de l'énergie renouvelable en Israël et développeur aujourd'hui de parcs solaires en Afrique. Alors qu'Israël a consommé moins d'1% d'énergie renouvelable en 2013, il plaide pour des solutions alternatives au pétrole. Espérons que cette marée noire, si quelque chose pouvait en résulter, ce serait au moins de provoquer une prise de conscience, un avertissement. Si nous ne pouvons pas empêcher le déversement de pétrole ici, dans cette région, sur des terres, comment pourrions-nous éviter le déversement de pétrole à 50 km des côtes? Hasard du calendrier, cet accident a précédé la conférence annuelle d'Elat sur les énergies vertes. Depuis près de 10 ans, la ville et la région investissent dans les énergies renouvelables, multipliant les parcs solaires et les solutions écologiques. D'ici 2 ans, 100% de l'électricité distribuée de jour dans la région serait produite par des énergies vertes. De grandes avancées qui contrastent avec celles réalisées pour tout le territoire. Alors qu'Israël s'était fixé l'objectif de satisfaire 5% de sa consommation finale d'énergie par les énergies renouvelables en 2014, le ratio devrait atteindre seulement 1,5% cette année. Un échec qui n'empêche pas le ministre de l'énergie de camper sur les objectifs de 10% à l'horizon 2020, non sans condition. Nous aimerions avoir 10% de notre énergie provenant d'énergies renouvelables. Mais d'un autre côté, nous voudrions obtenir un prix qui n'affecte pas le tarif de l'électricité en le rendant beaucoup plus cher. Mardi, la pluie s'est malheureusement invitée à Elat. Une partie du pétrole déjà imprégné dans les sols devrait se déverser dans les nappes phréatiques et dans la mer Rouge. Une catastrophe pour l'un des plus beaux écosystèmes de la planète, un drame écologique qui semble pour l'instant peu préoccuper la classe politique israélienne. Voilà pour ce reportage signé Anthony Lev, mais non Ethan Haddock. Mais Ethan Haddock y était tout de même il y a quelques jours. Oui. Rebonjour Ethan. Alors vous étiez sur place. D'abord, quelle est l'étendue des dégâts? Elle est conséquente. Hein. On avait sous-estimé les quantités de pétrole. C'est du mazout lourd hein, d'ailleurs, du pétrole cru. Donc on parle aujourd'hui de plusieurs millions de litres, hein, 6000 mètres cubes de pétrole qui s'est déversé à un certain point. Et de là-bas, avec les jeux de la topographie, c'est étendu sur toute une réserve naturelle, malheureusement, la réserve naturelle d'Evrona, et qui s'est arrêtée à quelques kilomètres d'Elat, au nord d'Elat. Parce qu'on parlait au début, on parlait d'un million seulement de litres de pétrole. Aujourd'hui, on parle de 6 millions. Qu'est-ce qui a changé finalement entre le début de la découverte de cet accident et aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est réellement d'habitude la volonté de ce genre de compagnie de minimiser les dégâts. Ça s'est passé pendant la nuit. Si ça leur a mis au moins 20 minutes avant de donner l'alerte, on aurait pu éviter le pire. Le pire n'a pas été évité parce qu'il a fallu que ça tombe juste sur une réserve naturelle d'un écosystème très fragile. On parle d'une réserve naturelle dans le désert, donc on parle d'arbres déjà qui ont déjà du mal à subsister, donc ils n'avaient pas besoin de ce liquide en plus. Donc une volonté de sous-estimer, de minimaliser pour pouvoir voilà, essayer d'échapper au contrôle.
contrôle. Et puis finalement, la réalité les a frappés de plein fouet parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, ce n'est pas 1 million de litres comme il l'avait dit, mais ce sont au moins 6 millions. Et les estimations encore n'ont pas abouti au chiffre réel, mais en tout cas bien plus que ce qu'ils avaient bien voulu dire. Cette compagnie qui s'appelle Qatar, donc qui est responsable de ce tuyau, de ce conduit, je pense qu'on va y revenir. On va revenir à cette compagnie. On va d'abord revenir sur la visite du Premier ministre israélien qui a quand même mis une semaine, on lui a reproché d'ailleurs à se rendre sur les lieux de l'accident. Il a déclaré hier que les barrages avaient stoppé la fuite et préservé le golfe d'Elat. Il s'en est félicité, c'est vrai? Alors d'abord, on peut toujours regarder la moitié pleine du verre. Là, le problème, c'est que le verre, il est plein, il est plein de pétrole. Voilà, il est plein de pollution. Donc venir dire maintenant, le pire a été évité, on a les barrages. D'abord, ce qu'il faut dire sur Netanyahou, il a fauté deux fois. La première, c'est que ça lui a mis une semaine pour venir quand même. Je comprends qu'on est en période préélectorale, mais ça lui a mis une semaine. Et plus grande catastrophe naturelle du pays, c'est quand même la moindre des choses que venir. Il a choqué, il a dit qu'il avait d'autres chats à fouetter. Il avait d'autres chats à fouetter. Bon, là-bas, sur place, les habitants ont aussi quelques chats à fouetter maintenant. Et donc, on verra d'ailleurs aux élections. Et la deuxième chose, c'est qu'il est, le ministre de l'Environnement. Oui, puisque Amir Peretz a démissionné il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, il est en charge de ce dossier. Et pour ajouter encore, son directeur général du ministre de l'Environnement se trouve à l'étranger. Il n'a pas trouvé bon de revenir alors qu'on parle aujourd'hui d'une catastrophe invraisemblable. Donc ça, voilà. Et alors, est-ce que réellement les barrages ont stoppé le pétrole? Oui, pour le moment, mais enfin... Alors justement, quels sont les risques concrets sur la santé des habitants des environs? Le premier risque, on a pu l'évaluer dès le début parce que le mazout émet des vapeurs nocives. On a eu 3 femmes enceintes des Aélates. Donc c'est... On dit pour les enfants et les femmes enceintes. Ouais, c'est surtout enfants, femmes enceintes, d'une manière générale. C'est les vapeurs, évidemment. Oui, les vapeurs sont des vapeurs de gaz qui sont toxiques. Donc elles ont été incommodées, ces femmes. Elles ont été transportées à l'hôpital. En Jordanie, après, c'est le jeu du vent qui fait la différence. En Jordanie, 80 personnes ont été hospitalisées dans la Arava. Donc ça, c'est, on va dire, le premier risque sanitaire local. Mais ce n'est pas le pire. Maintenant, on parle surtout d'un risque environnemental, c'est-à-dire du mazout qui s'est déversé, on l'a dit encore, dans une réserve naturelle avec des arbres acacias spécifiques à cet endroit qui soutiennent tout un écosystème qu'on essaie de protéger depuis des années. Vous savez, vous n'avez pas le droit d'aller en voiture dans cet endroit que à pied sur des chemins bien définis. Une réserve naturelle dans le désert, vous savez, c'est très fragile. Et donc, ajouter maintenant 6 millions de litres de mazout à des daims qui vivent là-bas. Et voilà, on a besoin en Israël aussi de ces espaces-là, ces espaces de vie, ces espaces pour respirer. Et c'est très dommage qu'une telle erreur ait amené à mettre en danger à ce point-là. Ça lui mettra des mois, voire des années. Ce pétrole va rester là-bas pendant des années, hein, il faut le dire. Alors la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est à qui la faute? Et on se pose aussi la question de la responsabilité de cette compagnie, Katsa, qui est responsable du conduit d'oléoduc pétrolier qui relie le golfe d'Elat à Ashkelon, mais qui n'a pas donné toutes les informations nécessaires, en tout cas à Israël. C'est ce que les autorités israéliennes lui ont reproché. Hein. Ouais. Alors, les autorités, pas tellement, c'est surtout la presse. On va d'ailleurs comprendre pourquoi les autorités. Non, premièrement, donc sur les circonstances. Hein, on élargit aujourd'hui, enfin, on veut construire un aéroport sur la région d'Elat. La compagnie a dû bouger son pipeline et elle n'a pas trouvé bon de le vider avant de le bouger. Et le conduit, vous savez, ce sont des tuyaux de 42 inches, hein, des tuyaux énormes, a lâché. Et donc, cette fuite, donc la responsabilité incombe entièrement à cette compagnie et elle le reconnaît. Elle prend la responsabilité totale sur ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'évidemment, les autorités ne lui ont pas reproché parce que cette compagnie, elle est contrôlée par personne. C'est une compagnie à moitié secrète. On a le droit de dire son nom. Aujourd'hui, elle a éclaté au grand jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2011, déjà, un tel accident avait eu lieu sur une autre réserve de Tzin dans le désert aussi. Nos confrères du journal Haaretz, avec qui nous avons pu nous entretenir, avaient voulu en parler dans un de leurs articles. Et sous le coup de la censure militaire, elle n'a pas pu en parler. Et pourquoi? Parce que cette compagnie qui s'appelle Katsa, donc Oléoduc Elat Ashkelon, est née en 1968. Elle est née d'une coopération entre qui? Israël et l'Iran. Ce tuyau appartient à 50% à l'Iran, 50% à Israël, en tout cas jusqu'à 2017. Évidemment, après la révolution islamique en Iran, les relations ont été coupées, mais les avoirs et en tout cas les intérêts existent, puisque la compagnie existe. Donc elle est financée toujours par l'Iran? Maintenant non, mais en tout cas, au départ, elle a été financée par la Deutsche Bank, pour tout vous dire, mais suite à un accord, et elle appartient à 50% à Israël, 50% à la compagnie pétrolière iranienne. Et ça, le contrat existe toujours. Entre les deux pays, il n'y a pas de relation, mais le contrat existe, donc elle lui appartient. Aujourd'hui, l'Iran revendique sa part
Ce qui explique les difficultés pour la presse d'avoir accès aux informations. Exactement, parce que tout simplement, cette compagnie n'est pas sujette à contrôle et tout simplement, elle est... Alors aujourd'hui, il y a tout un processus de conciliation entre les deux pays. Et pour tout vous dire, hier, hasard du calendrier, Israël a été déclaré redevable de 50 millions de dollars à l'Iran pour la part que possède l'Iran sur ce tuyau. Alors on n'a pas terminé, hein, ça fait déjà depuis 15 ans, 20 ans que les tribunaux internationaux essayent de trouver un accord entre les deux pays. Bon, on voit mal Israël demain, en tout cas Netanyahou, payer 100 ou 50 millions, même plus de dollars à l'Iran. Mais enfin, non, en tout ça, cas, c'est peu probable. Voilà, c'est peu probable. Mais en tout cas, pour tout vous dire, voilà, le problème qui se pose, c'est que qui est cette compagnie? A-t-elle un officier de sécurité? A-t-elle un responsable de l'environnement? Par quels moyens est-ce qu'ils sont désignés? Est-ce qu'ils ont les capacités de le faire? Voilà, il n'y a pas de transparence. Et c'est ça le premier problème. Deuxième hasard, pour tout vous dire, le directeur de cabinet aujourd'hui de Netanyahou n'est autre que l'ancien secrétaire de cette compagnie. Ouais. Alors, il y a des similitudes quand même avec la catastrophe de la marée noire qui était arrivée dans le golfe du Mexique en 2010. Est-ce que c'est une situation similaire? Est-ce que ça peut être aussi grave que ce qui s'était passé à l'époque en 2010, dans le golfe du Mexique, avec cette compagnie Deepwater Horizon. Deepwater Horizon, bon, d'abord, les quantités, les dimensions étaient complètement différentes. Hein. Aujourd'hui, on parle de quelques millions de litres, hein, c'est pas peu. Là-bas, on parlait de plusieurs millions de litres par jour. Donc, complètement différent. L'écosystème n'est pas le même. Hein. Dans la mer, c'est beaucoup plus difficile de contenir. Ici, on est sur Terre, on est dans une zone désertique. On a mis des barrages. Pas de panique. Non, pas de panique. C'est grave, mais pas de panique. Ça aurait pu être plus grave, ça pourrait être grave et ressembler à la catastrophe dont on a parlé dans le golfe du Mexique si ce mazout allait se déverser dans la mer Rouge. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que dans le désert, lorsqu'il pleut, il pleut rarement, mais lorsqu'il pleut, les inondations sont énormes, incontrôlables. Et c'est le risque aujourd'hui. Il a plu jeudi, c'est ce qu'avait dit Netanyahou. On a fait des barrages et aujourd'hui, on travaille à la main pour enlever chacune de ces petites flaques pour pas qu'elle arrive dans le golfe d'Alte où il y a un autre écosystème, les coraux. Merci beaucoup, Ethan Haddock. Merci, Betsabé Salem, d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans quelques minutes. On vous parlera d'astéroïdes avec justement Betsabé Salem. C'est juste après le journal. À tout de suite. Dernière partie du morning, merci à vous d'être toujours avec nous. On va tout de suite se rendre au barrage de Calandia où se trouve toujours notre correspondant Mathias Inbar, non, qui se trouve d'ailleurs, on me l'indique, à Ramallah. Bonjour Mathias, alors on vient de l'apprendre, des versions de l'autopsie viennent d'être publiées, hein, les premiers résultats, les premières conclusions de l'autopsie sur la mort justement du responsable Abu Ziyad Ayn, responsable palestinien qui est décédé hier au cours d'affrontements entre des soldats israéliens et des manifestants. Et on va le voir avec vous, les versions divergent côté israélien et palestinien. Oui, tout à fait, Éléonore. Je me trouve exactement à Al-Bireh. C'est un quartier à l'intérieur de Ramallah. C'est là, justement, dans quelques heures, que va partir le cortège funèbre en direction, eh bien, soit de la Moukata, soit de l'hôpital principal, là où sera enterré Ziyad Abu Ayn, à l'intérieur donc de Ramallah. Alors, effectivement, les versions sont discordantes. On vient d'avoir les premiers résultats. Côté palestinien-jordanien, eh bien, les médecins légistes estiment qu'il est mort de suite d'inhalation trop importante de gaz lacrymogène. Côté israélien, eh bien, on dit qu'il est décédé de suite de crise cardiaque. Alors, j'ai pu converser, eh bien, avec Ren Kugel, qui est le responsable directeur de l'Institut médico-légal d'Abu Kabir, celui qui a assisté à l'autopsie, celui qui a eu immédiatement les premiers résultats, et lui estime, eh bien, effectivement, qu'il est mort de suite de crise cardiaque. Il n'hésite pas éventuellement à la version selon laquelle, eh bien, Ziyad Abu Ayn se serait senti mal à la suite du fait qu'il se soit fait repousser plutôt fermement par des soldats, par des gardes frontières, mais il rejette toute version selon laquelle il aurait reçu des coups. En tout cas, il n'y a pas de trace claire de coups sur son torse. La première version, en tout cas, affichée hier par les Palestiniens. Version également, d'ailleurs, que ne citent pas les médecins légistes jordaniens et palestiniens. Ils ne parlent pas de coups, mais uniquement de morts suite à une inhalation de gaz lacrymogène. Et c'est
très important eh bien, concernant la version exacte de ce qui va être sans doute être définitif dans les heures, les jours à venir concernant la mort, même si, eh bien, je dois le dire, dans la rue palestinienne, il n'y a pas, les détails ne sont pas importants pour eux. Eh bien, Ziad Abu Ayn est un chahid, est un martyr qui a été tué par des soldats israéliens. Il ne se soucie guère finalement des résultats de l'autopsie et sont prêts à l'enterrer en tant que symbole de la lutte palestinienne. En attendant, eh bien, vous l'avez dit, eh bien, ce qui est important, surtout au niveau officiel, c'est l'autopsie, c'est ces versions qui sont discordantes. Merci beaucoup Mathieu Sinbar, en direct de Ramallah. Allez, on vous emmène dans l'espace. On en parle avec vous, Betsabé Salem. On va parler d'astéroïdes ce matin. Oui, tout à fait. Alors, je vous propose de jeter un œil à ce qui s'est passé ces dernières dizaines, centaines, voire plus d'années pour comprendre, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, si les astéroïdes sont dangereuses pour l'humanité. C'est ce que prétendent certains, en tout cas. Regardez, par exemple, en 1908, eh bien, un astéroïde, pourtant maigrichon hein, pour un astéroïde, a frappé la Sibérie. Et quand je dis frapper, l'astéroïde s'est dirigé vers le sol à une vitesse supérieure à celle du son. Alors, un astéroïde, qu'est-ce que c'est hein? C'est un amas de roches, de métaux et de glace. Et qu'est-ce que ça a provoqué? L'impact le plus gros enregistré dans l'histoire humaine. L'énergie dégagée est comparée à 1000 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Là, les images qu'on voit, c'est un autre événement. C'est il n'y a pas si longtemps, la météore de Tcheliabinsk qui a fait un millier de blessés, quand même de nombreux dégâts. C'était en 2013. Et cette explosion, on n'a pas eu lieu sur la Terre. Elle a eu lieu à 27 km au-dessus de la ville. C'est pour vous dire si l'impact avait été plus près. En remontant le temps, vous avez le météorite qui a tué les dinosaures. C'était il y a 66 millions d'années. Sans compter, eh bien, la NASA, toutes les explosion qu'a répertorié la NASA. Elle a publié une carte montrant tous les impacts hein, sur la Terre de météorites et autres objets volants de 1 à 20 mètres de diamètre ces dernières années. Vous voyez, c'est assez impressionnant ce nombre d'impacts. Il faut savoir qu'il y a 26 astéroïdes en tout qui ont provoqué de puissantes explosions détectées dans l'atmosphère depuis 2000 jusqu'à 2013. Donc c'est quand même un phénomène assez fréquent. Alors est-ce qu'on doit redouter d'autres impacts dans le futur et est-ce qu'on a des moyens de les anticiper? Alors pour l'heure, il n'y a pas d'alerte pour les années qui viennent, même si quand même en avril 2009, vendredi 13, c'est pas une blague, l'astéroïde Apophis devrait passer à 2029, hein, pardon, devrait passer à 35 000 km de la Terre. Alors ça vous paraît relativement loin, 35 000 kilotères. Eh bien en fait, pas tant que ça, parce qu'apparemment, selon les spécialistes, ça pourrait provoquer des glissements de terrain. En 2182, nous ne serons certainement plus là, mais on prévoit que l'astéroïde Bennu pourrait lui percuter la planète. Alors la NASA travaille dessus, les Japonais travaillent dessus, l'Europe travaille dessus, tout le monde a des programmes adaptés, sauf que ça ne satisfait pas tout le monde. Il y a de nombreux spécialistes qui s'insurgent, qui disent que ce n'est pas assez, comme notamment l'astronome royal britannique Lord Martin Rees, l'astronaute d'Apollo 9, Rusty Schweikhardt, et même le guitariste de Queen, Brian May, qui est accessoirement docteur en astrophysique. Ils sont en tout une centaine de personnalités du monde de la science, du monde de la culture, à avoir signé une pétition qui s'appelle Astéroïde Day. Qu'est-ce qu'ils sollicitent? Ils veulent que la détection et le contrôle soient multipliés par 100. Ils proposent même une journée des astéroïdes le 30 juin. Merci beaucoup, Betsabé. On va justement tout de suite en parler avec Patrick Michel, directeur au CNRS et responsable de l'équipe Théorie et Observation en planétologie à Nice, en France. Bonjour et merci de répondre à nos questions ce matin. Alors d'abord, rassurez-nous, est-ce qu'il existe un réel danger pour l'humanité? Oui, bonjour. Pas à court terme. En tout cas, on connaît tous les objets potentiellement dangereux qui sont plus grands qu'un kilomètre. On en a 90%. Un kilomètre, c'est le seuil de catastrophe globale. Et pour cela, il n'y a aucun danger à court terme. Évidemment, les calculs ne sont prédictifs que sur quelques dizaines d'années. Donc, au-delà d'un siècle, ça devient beaucoup plus dur de répondre. Mais en tous les cas, pour ce qui nous concerne, nous, un gros objet ne nous menace pas. Des petits le peuvent éventuellement, mais pas un gros. Alors, si on n'est pas menacé directement, comment expliquer ces appels à répétition, à plus de contrôle dont on vient de parler?
Alors en fait, c'est parce que effectivement, il y a quand même un grand nombre d'objets de la taille de quelques centaines de mètres qui peuvent provoquer des dégâts régionaux. On a vu même des plus petits objets, comme celui qui a explosé au-dessus de la Russie à Chelyabinsk en 2013. Il a quand même provoqué 1000 blessés. Donc, et ces objets-là, ces petits objets, on les a pas encore découverts. Ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est une fois qu'on a découvert les objets plus grands que 1 km, essayer d'atteindre le même niveau de découverte, donc 90%, pour les objets de 150 mètres. Et pour cela, effectivement, il faut faire des efforts supplémentaires parce que les télescopes actuels mettent un peu de temps pour le faire. Donc l'idée, ça serait de mettre éventuellement un télescope dans l'espace pour faire un recensement plus rapide. Alors, est-ce qu'on a identifié des zones à risque, des régions peut-être plus menacées que d'autres ? Non, en fait, il n'y a pas de région plus privilégiée. Évidemment, la Russie a pris l'explosion de la Tunguska en 1908, un objet donc de quelques dizaines de mètres qui a explosé à 8 km dans l'atmosphère et qui a dévasté 2000 km² de forêt. Il y a eu Chelyabinsk, c'est toujours en Russie. C'est simplement parce que la Russie est un plus grand pays, donc en termes de probabilité, elle a plus de chances de se prendre des objets. Mais en fait, il n'y a pas d'endroit privilégié pour les impacts. Et le problème qu'on a d'ailleurs sur Terre par rapport à la Lune, c'est qu'il est difficile de retrouver les traces des impacts, puisque d'abord la Terre est couverte de 2/3 d'eau, donc quand ça tombe, ça fait plouf. Et puis on a l'érosion, la tectonique des plaques qui efface petit à petit ces traces d'impact. Mais en réalité, on en trouverait partout si on en avait les traces. Merci Patrick Michel d'avoir répondu à nos questions. Direction l'Allemagne à présent, avec dans ce pays de nombreux Israéliens qui doivent parfois cohabiter avec des minorités issues des pays musulmans et d'Iran, une cohabitation qui donne lieu parfois à des rapprochements étonnants. Regardez ce reportage signé Shahar Peled avec Leslie Rezou. Berlin, un style et une ambiance, véritable centre névralgique de la culture allemande. Dévastée après la Seconde Guerre mondiale, la ville, figure de proue du multiculturalisme, a su renaître des cendres d'un nationalisme aujourd'hui lointain. Le musicien israélien Yuval Alpern a été approché par Babak Shafian, un musicien iranien. Ensemble, ils ont créé une formation composée de musiciens israéliens et iraniens. Et c'est ainsi qu'est né Sista Nagila, un groupe d'Iraniens et d'Israéliens qui communiquent ensemble par la musique. Leur nom mêle d'ailleurs celui de la province iranienne de Sistan au titre de la célèbre chanson folklorique juive Hava Nagila. Pour moi, c'était très intéressant car avant Sista Nagila, je n'avais pas d'amis israéliens. C'est pour ça que j'étais content de participer à ce projet. Dans les médias, on peut facilement croire que les Iraniens et les Israéliens seront toujours en conflit. Mais ils portent beaucoup d'intérêt les uns pour les autres. Avec des artistes venus du monde entier, Berlin est devenu un véritable creuset culturel. Cela nous permet de faire des choses que nous n'aurions pas pu faire ailleurs, car c'est une sorte de no man's land. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas l'Iran, on peut se rencontrer ici et faire ce que nous faisons. Hier, j'ai rencontré un nouveau groupe israélien qui jouait du klezmer. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que la plupart de mes amis à Berlin étaient israéliens. Après s'être produit dans une synagogue et autres salles de concert, le groupe est prêt pour sa prochaine aventure. Cet appel au financement participatif, c'est pour enregistrer notre premier album avec notre propre musique. Nous n'avons pas de soutien financier, nous faisons cela tout seuls. Mais malgré ses revendications apolitiques, le groupe comprend bien que le simple fait de travailler et de jouer ensemble est en soi un engagement. J'espère qu'un jour il n'y aura plus de problème entre les deux pays, que nous pourrons visiter Israël et que les Israéliens pourront visiter l'Iran. Et peut-être qu'un jour nous pourrons jouer là-bas. En attendant, Sista Nagila se concentre sur sa musique en envoyant un message clair. La musique rapproche les gens, la musique crée un pont entre les cultures. Il vaut mieux faire de la musique que faire la guerre. Alors que la coexistence au Moyen-Orient n'est plus qu'un rêve lointain, il se pourrait que cette nouvelle forme d'amitié ne puisse voir le jour qu'en terre étrangère, et plus particulièrement à Berlin. Au-delà du passé sombre et du présent instable, une alternative semble envisageable, pas à Tel Aviv ni à Téhéran, mais bien à Berlin. Voilà pour un beau message d'espoir en musique. Allez, c'est l'heure de la revue du web avec vous. Rudy Saada, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez ce matin, ou plutôt vous nous montrez une carte qui géolocalise des tweets. Expliquez-nous Absolument. Tout ça. Absolument. Regardez cette jolie carte de l'Europe. L'Europe
plongée dans la nuit, on va la voir. Voilà, elle représente, vous l'avez dit, les tweets. Alors, on la doit à un spécialiste de la carte interactive, il s'appelle Eric Fischer. Il a additionné plus de 6 300 000 messages postés et géolocalisés sur Twitter en 3 ans et demi. Et nous dit, Slate nous dit que ça fait au total 810 millions de tweets additionnés. Et donc, de cette carte, on peut tirer un tas de conclusions. Alors, par exemple, si on se focalise sur la France, on s'aperçoit là que Paris est la place forte du tweet en France, entre les Parisiens eux-mêmes qui tweetent beaucoup, mais aussi les touristes qui tweetent leurs vacances. Mais c'est aussi une place forte du tweet en Europe avec Londres, si on regarde un petit peu plus loin. Alors là, on est au Moyen-Orient, vu de loin, on voit... Attendez, ne me dites pas, c'est Yafo. C'est Yafo, le centre névralgique du tweet. J'allais le dire. Je terminais c'est là-dessus. C'est ici, donc. Absolument. Alors déjà, si on regarde surtout le Moyen-Orient, on s'aperçoit que le Caire, Tel Aviv et Amman sont les places fortes. On voit un petit point aussi pour Jérusalem. Donc voilà, j'allais dire que la place forte du tweet, c'était évidemment le port de Jaffa. Alors, si vous avez 10 minutes à tuer, ça peut vous occuper soit 10 minutes, soit toute la journée, car vous pouvez zoomer et zoomer jusqu'aux artères même de la ville, rue par rue, pour découvrir... Mais on voit les tweets. On ne voit pas les tweets, c'est-à-dire que chaque point lumineux vert est un tweet et vous pouvez aller jusqu'à l'échelle de la rue, vous pouvez zoomer dans cette carte, vous balader partout dans le monde, c'est assez passionnant. Allez, on part maintenant du porte-bonheur du président ukrainien qui arrive sur le net. On peut même parler d'un second chef d'État. Regardez ce tweet, il est signé du président ukrainien Petro Porochenko il y a 2 jours. Alors il a gratifié les internautes avec cette photo et puis ce commentaire. C'est devenu une tradition, j'arrive au travail, je prends la poupée et je réfléchis à ce que je dois faire aujourd'hui pour protéger le pays. Gros buzz sur internet. C'est mais... sponsorisé par Babyliss. Oui, c'est vrai qu'elle a un petit peu du mal à se coiffer, la poupée. Alors, gros buzz sur internet. Mais regardez, le blog du Monde nous rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on voit cette poupée dans la communication du président Porochenko. En octobre, il avait déjà publié une série de photos sur son compte Facebook, quelques photos de sa précieuse poupée. Là, on le voit avec des militaires qui défendaient l'aéroport de Donetsk ou encore là avec un chef militaire. Donc, on sait maintenant avec qui va devoir discuter Vladimir Poutine. Allez, on ouvre une page fête de fin d'année avec la désormais traditionnelle rétrospective de Facebook. Oui, les fêtes de fin d'année arrivent avec elle, c'est son lot de rétrospectives de l'année. Et donc Facebook, vous l'avez dit, dégaine le premier avec une vidéo qui nous présente le classement des événements qui ont marqué ses membres, les gens inscrits sur Facebook cette année. Alors sans surprise, on retrouve le Ice Bucket Challenge, Ebola, le mondial de foot et la disparition du comédien Robin Williams. Alors comme Facebook est désormais... Nabila. Non, Nabila n'est pas. En France, par exemple, c'est l'Olympique de Marseille, comme par hasard, mon club préféré qui est en tête des tendances. En tout cas, comme Facebook est passé maître en l'art de faire des vidéos pleines d'émotions, alors je vous propose de regarder votre année, notre année, en images. Allez, on regarde notre année en images. Massive blow. It's one of the worst defeats in Brazil's history. In a roller coaster of a tournament. I don't know what happened. On this planet is human cooperation. Stop defining each other by what we are not. Voilà donc pour ce condensé de cette année 2014. Merci beaucoup Rudy Saada, merci Betsabé Salem et merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit pour une toute nouvelle émission. En attendant, restez sur A24 News. Plus d'infos à suivre dans vos programmes. Excellente journée à tous.